c'est la 55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler peinture. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi c'est une vidéo sur la peinture? Donc pour vous expliquer, quand j'ai fait la vidéo réservoir, que j'ai mis la pompe de gavage, et je vous ai dit à un moment donné que j'allais peindre, que j'allais chercher de la peinture, bah j'étais à chercher jeudi, donc hier. Et donc j'ai cherché la peinture effectivement, tout simplement c'est pas la peinture que j'ai achetée, c'est la peinture qu'on m'a donnée. Et pour vous expliquer, c'est un garage, c'est un ancien garage auquel le propriétaire est décédé, et les enfants, bah ils ont vendu le bâtiment et ils sont obligés de vider le machin. Donc il y a beaucoup qui est parti déjà à la ferraille, parce que moi je suis arrivé de retard, dommage. Il y a beaucoup qui est parti à la ferraille entre le matériel, les voitures, apparemment il y avait même des XR3i, il y avait plein de bagnoles. Il y a beaucoup qui sont partis à la ferraille, le matériel aussi, là il y avait un marbre et tout ça, bon c'est un autre garagiste qui l'a récupéré. Enfin il y a vraiment plein de trucs. Et moi j'ai récupéré la peinture, sinon ça partait en déchetterie. Et vous allez aller voir, à l'origine j'allais chercher quoi, une vingtaine de pots quoi. Peut-être une vingtaine de pots de différentes couleurs. Et en fait je me ressors avec à peu près, d'après ce que j'ai calculé au nombre de pots, j'ai à peu près 400 kg de peinture. Mais il n'y a pas que de la peinture, il y a du mastic à carrosserie, il y a la fibre de verre, il y a du durcisseur, il y a de l'huile de bois, de l'huile de pont, vraiment il y a de tout. Je peux même pas vous dire, c'est de tout. C'est quasiment tout l'automobile, ça vient de Mercedes apparemment. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Hein. Vraiment une petite vidéo, vous allez voir, c'est vraiment. Là, il y a vraiment de quoi faire. Donc attendez, on va à la remorque. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir, ça fait un choc. Voilà le tas de peinture, donc il y a environ 300 kg. Donc pour vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a. Alors au début j'avais cherché la peinture pour peindre le réservoir et puis pour peindre la remorque, parce que c'est une remorque qu'on m'a donnée aussi. Et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur les pneus, peut-être que je la mettrai en ligne, c'était une vidéo où je changeais les pneus pour répondre à certains commentaires d'une ancienne vidéo, peut-être que je la mettrai en ligne, je sais pas si c'est vrai. Et comme vous voyez, j'ai cherché, il y a beaucoup de produits automobiles, là c'est Mercedes-Benz, j'ai tout un carton, je sais pas trop ce que c'est bah, écrit en allemand et l'allemand c'est pas ça. Alors même le coffre, hein, il est plein. Comme vous voyez, j'ai du durcisseur. Alors c'est vieux, mais j'ai ouvert les pots, c'est encore bon. Là, comme vous voyez, là j'ai. Ouais, là il y a quoi? Il y a 10 kg de mastic, quoi, de mastic automobile, avec de la fibre de verre. Et j'ai ouvert les pots, alors ils sont pas tout jeunes, j'ai ouvert le pot là, celui-là. Et bah c'est encore bon, hein, le mastic est vraiment bien, nickel, quoi. Là on a de l'huile, ça c'est quoi? C'est de l'huile hydraulique, on a vraiment de tout, quoi. Là on a, bah c'est pareil, c'est écrit en allemand, je ne sais pas trop. Pour un jeu branchène. On a tout un carton de liquide de frein. En pot de peinture, alors en pot de peinture pour la couleur, j'en ai plein comme ça, sur des 5 ou des 7 litres, là c'est métal or, donc c'est la peinture automobile, j'en ai tout le fond de la remorque, il est plein, hein. Il y a plein de gros pots comme ça, ils sont tous neufs, hein. Ils sont, il y a un ou deux qui est ouvert, mais sinon la plupart sont pleins, il y a vraiment pas mal, je sais pas ce que c'est, 3 mètres flexibles, ouais, je sais pas, là on a du joint pour carter, silicone pour carter moteur, tiens c'est marqué en dessous. Mais vraiment, tout, c'est vraiment. On a du black zone, vraiment il y a de tout. Tiens, du Framenco, la lentirouille. Il y a vraiment. Tiens, encore un pot de fibre de verre. Vous avez promu. Fibre de verre. Donc ça en fait deux, ça fait 4 kg de ça. Ça c'est quoi ça? Silicone adhérent, c'est pour les caravanes et les camions ça. Tuyaux et compagnie, pourquoi pas, c'est encore utile. De la régine, on sait pas de quoi. Ah si, c'est marqué pour résister, construire. Ah bah c'est sûrement pour mettre avec la fibre ça. Activer la résine, durcisseur, bien mélanger, ouais, c'est sûrement ça. Enfin, faut que je regarde, il y a un lot énorme, je vais aller ranger ça. Là on a ça, plastoc primeur, c'est sûrement pour peindre sur le plastique. Faut mettre une couche de primeur. Là regardez, encore un pot. Bleu métal, tout neuf aussi. Ça n'a jamais été ouvert. Enfin, plein, c'est vraiment incroyable. Là, on sait pas ce que c'est, je verrai bien en ouvrant. J'ai même le coffre de la voiture qui est plein. Et entrée, le coffre est plein. Alors, ça, j'ai ouvert, c'est un noir. J'ai regardé si c'est en bon état quand même. Le noir en parfait état, il marche bien. Enfin, il marche bien, il se mélange bien, quoi. Après, il y a quelques pots qui ont pris l'humidité, mais ça doit pas être spécialement grave. Je change les emballages. Là, on sait pas ce que. Synthétique. Bon, synthétique de quoi, on sait pas. Encore du liquide de frein. Pour le liquide de frein, bon, bah, faudra changer le pot par contre. Parce que ça c'est un coup pour sa trou, je vais le mettre de côté d'ailleurs, parce que sinon il va me cuire dans la bagnole. Faut que je change le pot, j'en ai des pots de liquide vide, je le ferai. Ça c'est quoi? Liquide pour. Je sais pas. Direction peut-être. Heureusement qu'il a marqué sur les pots qu'il a changé. Polyester encore, mastic au pistolet. Il y en a plein, c'est spectaculaire. Je vais aller ranger ça dans ma cave, tranquillement, bien au sec. Mais voilà quoi, donc en fait voilà ce que vous voyez à peu près, 300, ouais je pense que les 300 kg sont là, hein, facile. Hein.
Donc on se retrouve, donc j'ai tout rangé. C'était pas prévu dans la vidéo, mais en fin de compte, bah, j'ai réussi à tout ranger avant qu'il gèle. Parce que bah, la nuit il fait quand même froid, la peinture d'or c'est pas terrible. Donc j'ai rangé ça par couleur. Donc là on a le gris, le noir, le blanc. Du côté là on a, comment vous dire, le bleu, le rouge, le brun, le jaune et compagnie. En haut j'ai mis les apprêts, en dessous j'ai mis tout ce qui est, comme vous voyez, les tubes. Donc ça, c'est de la polyuréthane. C'est des tubes de polyuréthane. Donc on va voir si c'est encore bon, je ne sais pas. Donc tout ce qui est peinture, globalement tout ce qui est là c'est encore bon, c'est encore bien liquide, j'en ai ouvert quelques-uns, il y en a même qui étaient ouverts que j'ai dû refermer, il y a du bol qu'ils n'ont pas fouillé quoi, donc ils sont bons. En haut ici, là, pour vous montrer, j'en ai mis, comme quoi j'ai mis la peinture automobile, là j'en ai mis, vous voyez, avec les marques de voitures, c'est pas mal, la Opel, le Golf, Peugeot 407 et compagnie, ceux-là ils sont pas mal, j'en ai deux, c'est le bleu Miami, Peugeot 205 GTI, donc ça c'est vraiment pas mal, Mercedes, donc voilà, là on a la peinture ivoire aussi. Du côté là, alors là on aura un peu moins de lampes. Malheureusement un peu moins de lampes. Ici j'ai mis tout ce qui est peinture, ça c'est de la peinture alu. Là on a mis, j'ai mis tout ce qui était ça avec les durcisseurs, là, tout ce qui était mastic et fibre de verre, j'en ai pas mal. Dans le fond là-haut, j'ai mis tout ce qui était Blackson, c'est pour traitement encore au jour, là comme vous voyez, il y a le fragmento là, que tout à l'heure j'avais dans les mains. Les gros pots de peinture, je les ai mis ici. Alors il y en a quelques-uns qui étaient percés, comme les trois là, ils étaient percés, donc pour l'instant je les ai bouchés, mais si je trouve des pots neufs, je changerai là. La peinture, donc là ils étaient bougés, luminosité, qu'ils étaient un peu troués parce que j'ai eu un petit accident dans ma remorque, j'ai un bleu qui s'est ouvert, donc bah, ma remorque, je vais la peindre en bleu. Donc voilà, là j'ai encore tout ça arrangé. Donc tous les petits pots là, donc ça c'est l'huile, l'huile pour boîtier de direction, direction assistée. C'est tout du machin qui vient de Mercedes-Benz. Mercedes, alors c'est, ils sont quasiment tous neufs. Hein. Il y en a des vides, ça je sais pas ce que c'est ça. Contient, ouais, ben, je sais pas. Bonjour toi. Oui, t'es embêtant. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, vous voyez, quand je disais au début de vidéo que j'étais dans les peut-être 300 kilos, j'ai compté, il y a des petits pots, il y a 300 petits pots, j'en ai encore plein à ranger, là, des pots d'un kilo, et j'ai une 35 pots de 7 kilos. Donc pour vous dire, ouais, pour vous dire, je suis entre 300 à 400 kilos de peinture, donc c'est vraiment pas mal. Tu veux pas descendre? Oui, mais je vais rentrer. Donc 300 à 400 kg de peinture, c'est vraiment pas mal, surtout que c'était gratuit. Et sinon, ça partait à la déchetterie. Donc voilà, donc moi, pour cette vidéo, on va dire que c'est à présent terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager, bien sûr. Je vous mettrai peut-être en ligne la vidéo, parce que j'ai changé les pneus de la remorque, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé les pneus de la remorque. Et j'avais fait une vidéo spéciale démontage de pneus pour répondre à certains commentaires d'une de mes anciennes vidéos. Peut-être que je la mettrai en ligne, je sais pas, je verrai. Peut-être. Mais sinon, je vous retrouve pour une très prochaine vidéo pour le Mercedes. T'arrêtes une griffe. Pour le TDS, pour la Fortira TDS. Parce que, bah, normalement, le démarrage, c'est demain. Du moins, le démarrage, c'est demain. Donc la vidéo arrivera très prochainement. Ouais, donc allez, à bientôt. Salut !